Voilà, ben merci à tous d'être là, c'est nombreux. Je vous invite à écouter maintenant Karine et Sylvain qui vont vous parler du yoga dans l'eau, mieux que moi. Je pense qu'il y a beaucoup de petites grenouilles dans la salle qui vont trouver pas mal d'explications à ce qu'ils ressentent depuis qu'ils pratiquent. Voilà, donc je laisse la parole. En parcourant, ou plutôt en plongeant dans son livre, défini lui-même comme ouvrage pédagogique, nous avons constaté qu'il propose un double cheminement, c'est-à-dire un contenu assez explicite et didactique, se situant sur un registre pédagogique, à savoir la déclinaison technique de posture, et un contenu plus abstrait, fait de commentaires, qui tente, on pourrait dire en écho, de dire quelque chose de ce qui se passe, de ce qui est à l'œuvre dans telle ou telle posture. D'ailleurs, il y a nombreux témoignages qui parlent de ça. Et puis au-delà de cette première lecture, on s'est aperçu que le livre nous proposait une certaine manière de lire autre chose entre les lignes. Mais lire quoi ? Peut-être que le choix d'une approche pédagogique élude une question frontale, peut-être la question frontale, qui est implicite mais qui est à la fois très complexe à résoudre, c'est-à-dire qu'est-ce que le yoga dans l'eau ? Voilà, qu'est-ce que c'est ? Donc en fait, la question de fond que pose précisément l'ouvrage de Frédéric est celle de la transmission. C'est un ouvrage pédagogique. Vous avez, je ne sais pas si tout le monde a eu en main ou pas le livre de Frédéric. Non, plus ou moins, ouais, plus ou moins. Donc c'est un ouvrage pédagogique qui fait donc une déclinaison, comme le disait Sylvain, de posture, de déclinaison technique avec une analyse. C'est vraiment un manuel, quoi. Et donc en fait, donc il pose la question de la transmission. Et donc forcément, le nœud d'une part et l'enjeu d'autre part du travail de Frédéric se situe bien là. Comment transmettre, alors nous on l'a appelé pour l'instant ce truc, auquel il y a dans l'eau, cette chose qui revêt une expérience si singulière et propre à chacun, si intime. Et c'est vrai que c'est ça aussi la difficulté, c'est qu'on éprouve quelque chose de vraiment très personnel et en même temps collectivement. Donc voilà. Et donc la question de la transmission renvoie aussi au fait de devoir définir qu'est-ce que serait le yoga dans l'eau. Et en fait, on s'est dit, bah, finalement, définir, c'est justement pas du tout le bon mot qui correspond et qui va avec le yoga dans l'eau, parce que définir, c'est finir. C'est déterminer, c'est terminer, c'est contraindre dans les mots, par les mots, une notion comme le yoga dans l'eau qui est beaucoup plus ouverte, beaucoup plus libre, beaucoup plus fluide, mobile, perméable, justement. Et donc, on s'est dit qu'on allait essayer de réfléchir au yoga dans l'eau, pas en lui donnant une définition, mais plutôt en essayant de contourner une définition de frontale, mais plutôt en essayant de regarder le yoga dans l'eau sous un autre aspect. Sur et donc, plusieurs points de vue. Voilà, sur ouais, plusieurs points de vue, mais avec une lecture quand même qui est assez. Voilà. Et donc, d'autant qu'on ne va pas reproduire le livre, puisque, bienvenue, puisque dans le livre, ce sont donc, on ne va pas vous faire. Alors, ça, c'est la demi-lune, c'est la sieste, on ne va pas vous faire une déclinaison des postures, on n'est pas vraiment là pour ça, et surtout Frédéric le fait bien mieux que nous. Et donc l'idée, c'est plutôt d'ouvrir ce point de vue. Je vous expliquerai après sous quel mode, puisque on va d'abord aussi nous se,
se présenter. L'idée, là, c'est que, justement, on a envie de vous transmettre notre point de vue, parce qu'il y a quelque chose pour nous, en tout cas, qui est essentiel dans le yoga dans l'eau. Moi, ça m'a fait un peu une révélation, hein, carrément. Je ne peux même pas te dire ce mot-là. Et donc, on s'est dit que, en dehors de la question de la technique, il y a quelque chose d'autre, de fort, qui se passe à cet endroit-là. Je pense que moi, j'ai ressenti aussi une forme de manquement, une forme d'insatisfaction dans le yoga au sol. Et c'est vrai que quand Frédéric m'a proposé dès le début, moi j'ai naturellement, on va dire, je ne sais pas si c'est naturel, mais une affinité avec l'eau. Et c'est sûr que du coup, ça me rend les choses beaucoup plus faciles. Hein. Et donc, quand le yoga dans l'eau a démarré, c'est vrai que j'ai ressenti vraiment quelque chose de bien plus fort et bien, vraiment de plein, enfin, et de quelque chose de l'ordre du soin. Et c'est vrai que, même si, voilà, c'est toujours la discussion qu'on a, des échanges que nous avons eus sur la question du soin, du thérapeutique, etc. Bon, on en reparlera plus tard, justement. Mais en tout cas, moi, ma réception, elle était que je sentais que ça me faisait quelque chose qui me faisait du bien, mais pas du bien, bien-être, je sais pas quoi, je veux dire, quelque chose de vraiment profond. Ça m'a renvoyé à mon expérience personnelle, qui est ma cure analytique, et à une autre chose qui est, et là je vous en parlerai plus précisément après, qui est une expérience, en fait, qui est en lien avec mon parcours aussi, qui s'appelle le gai savoir. Je sais pas ce qui m'intéressait aussi là-dedans. Étant psy et ayant moi aussi fait une cure analytique, il y a quelque chose d'assez proche entre ces deux pratiques, on pourrait dire, c'est que quand on a envie d'en parler, on ne sait pas quoi dire. Et pourtant, il y a un truc, encore un d'ailleurs, très important qui se passe, on pourrait dire de très profond, qui a à voir avec son propre être au monde, quelque chose d'assez indicible. Et voilà, on s'est retrouvé encore sur cette question, quoi. Alors, comme je suis psy, j'ai aussi, et ça tu l'avais aussi en commun avec moi, quelques petites références, notamment un psychanalyste anglais qui s'appelle Winnicott, je ne sais pas si vous le connaissez, nous on l'appelle Winnie. Alors c'était un psychanalyste anglais du début du XXe siècle qui a beaucoup, beaucoup travaillé sur les bébés, les enfants, particulièrement sur les conditions lui il appelle ça la maturation, mais bon, on va dire le bon développement. Ce qu'il met en lien, c'est ça le point important, ce qu'il met en lien, c'est la qualité de l'environnement pour le bon développement du bébé, et en particulier ce qu'il appelle le portage, le holding. Voilà, on y reviendra peut-être plusieurs fois dans la soirée. D'autant qu'il y en a, je dis ça, le lien, c'est, il y a des personnes qui doivent faire le lien, en tout cas dans la salle, c'est que dans l'eau, on fait l'expérience du portage, soit par les humains, soit, dans le meilleur des cas, par l'eau. Oui. Et l'autre, on pourrait dire, point de... Voilà, ça parle du bébé, quand on parle Winnicott. Il y a un livre que tu cites beaucoup, de Loredana Armono, qui s'appelle « Le yoga, le bébé et la torture ». Je ne sais pas si vous connaissez ce livre. En tout cas, il est très présent tout au long de l'ouvrage de Frédéric. Et je crois que le bébé, c'est quelque chose qui est important dans le yoga dans l'eau. Il y a aussi, d'ailleurs, pour ceux qui pratiquent la posture du fœtus, il y a quelques références comme ça. Bon, on y reviendra de toute façon. Voilà. Donc, je reprends la parole pour vous faire une petite présentation, j'espère pas trop compliquée et pas trop longue, enfin pas trop élaborée, du gai savoir. Donc le gai savoir, c'est une notion qui a été en premier, et donc on est bien dans le bon pays pour en parler, qui a été la première fois nommée par Rabelais. Donc
donc voilà, dans le chapitre 13 de Gargantua, si ça vous intéresse, et donc qui a été ensuite repris et plus beaucoup plus élaboré, puisque il en a fait un livre qui s'appelle un petit livre qui s'appelle Le Gai Savoir. C'est donc Frédéric Nietzsche, non pas elle. Ils ont un point commun, c'est leur prénom. Et donc Friedrich Nietzsche, donc j'imagine peut-être que vous connaissez, donc un philosophe de la fin du 19e, et un philosophe allemand, et donc qui est un philosophe qui m'intéresse particulièrement. Et donc c'est plutôt sous ce regard nietzschéen, on va dire, et gai savoirien, que j'ai essayé de réfléchir sur le yoga dans l'eau, faisant des passerelles entre les deux. Le gai savoir, c'est assez compliqué de le définir, parce que c'est à la fois une notion et une méthode. Et là, quand tu dis ça, je ne sais pas si ça résonne pour vous, mais le yoga dans l'eau a cette caractéristique-là, pour moi en tout cas. C'est que c'est à la fois une méthode, et là on va être plutôt dans l'ouvrage sur l'aspect méthode, mais on sent bien que c'est au-delà d'une technique, il y a quelque chose d'autre qui se passe. Et donc, je dirais, le fond et la forme se correspondent. Et c'est vrai que c'est assez inhabituel, et comme en plus on est quand même dans une société occidentale où on divise énormément et on fait des catégories pour pouvoir penser, là c'est assez troublant parce que justement on a affaire à un machin qui mélange les deux. C'est, on va dire, un espèce de rapport au monde. C'est la proposition d'un autre rapport au monde, d'un mieux vivre ensemble, l'idée d'un processus. C'est pas une chose en soi, c'est comment on va avoir, ça s'appelle gai savoir, c'est comment on va avoir affaire à une connaissance autrement que, maintenant on a l'impression que c'est, que je veux dire, avoir affaire à une connaissance, c'est forcément l'écrit, c'est forcément l'académisme, d'ailleurs on est un peu là-dedans malheureusement ce soir, mais c'est pas, bon, mais c'est en tout cas le rapport à la connaissance, le rapport au savoir, hein, quel qu'il soit, il peut être pensé de plein de manières différentes, et en fait, la chose que moi je fais comme lien, c'est qu'il y aurait un vrai miroir, un espèce d'écho fort avec l'activité, avec la discipline, même si ce mot-là est toujours un peu controversé, du yoga dans l'eau. Donc en fait, juste pour vous dire, le gai, ça veut pas dire, enfin pour tout le monde, ça veut dire surtout joyeux. Ça veut pas seulement dire joyeux, mais joyeux, on le garde bien sûr, on en parlera tout à l'heure, parce que joyeux, c'est une dimension du yoga dans l'eau. Et le rapport à la connaissance, on en parlera à plusieurs moments, mais le rapport à la connaissance, malheureusement, il est très souvent sérieux, triste. Et donc, l'idée, justement, la proposition de Nietzsche, c'est d'inventer un nouveau rapport à la connaissance. Il y en a d'autres, hein, qui ont bossé là-dessus aussi, d'avoir un rapport plus joyeux. Et gai, c'est aussi vif, rapide, fulgurant, et c'est aussi, j'ai retrouvé des origines de ce mot-là avec le mot libre. Et le yoga dans l'eau, alors évidemment, une fois qu'on s'est flotté, je dirais, parce qu'il y a l'apprentissage, bien sûr qu'il faut, il y a le temps d'apprendre, mais une fois qu'on est vraiment en plein exercice, et puis des fois on a juste certaines postures, mais on le sent, je ne sais pas si... si vous, ceux qui pratiquent, vous ressentez ça, mais on a accès à quelque chose d'une liberté profonde. En tout cas, moi, c'est sûr que j'ai cette sensation-là, et je trouve que c'est quand même pas tous les jours qu'on a affaire à cette sensation-là. Et le mot savoir, il faut savoir que ce n'est pas que la connaissance, le cognitif, la connaissance qui serait intellectuelle. Savoir, ça vient de saveur. Et ça, il y a plein de gens qui l'oublient, c'est quand même vraiment surprenant. Saveur, ça vient de... Il y a des expressions avec savoir où ça veut vraiment dire le goût, l'odorat. C'est vraiment... et donc, on voit bien la dimension sensorielle qui est vraiment importante. Et l'idée du gai savoir, c'est à la fois, donc du coup, connaître par son psychisme, mais aussi par son corps. Et l'idée du... Et ça, pour moi, c'est vraiment quelque chose qui s'accorde vraiment fortement avec le yoga dans l'eau, parce que
le corps est en action, le corps, c'est par le corps qu'on va réussir à mettre un peu son, justement, son psychisme en veille. Voilà. Quand je dis, Nietzsche dit, le gai savoir est un exercice scientifique, et n'est pas un exercice scientifique, c'est un exercice mythique. Et la dimension du mythique, bon, je ne vais pas trop, s'il y en a qui sont intéressés par la question du mythique, on en parlera plus tard, mais il y a vraiment quelque chose qui est assez fondamental à cet endroit-là, parce que quand on dit c'est magique, il y a quelque chose on sent qu'il y a quelque chose qui n'est pas... à la fois c'est singulier, en tout cas moi, je dis on, en tout cas moi je sens qu'il y a quelque chose qui est à la fois aussi intime que cosmique. Et je ne suis pas dans une dimension mystique, en l'occurrence, je veux dire, c'est que tout d'un coup, je sens qu'il y a moi et il y a le monde. Et c'est aussi cette sensation-là qui est très forte et que je trouve est plus directement accessible dans le yoga dans l'eau, parce qu'on est allongé, on regarde le ciel, on a les écoutilles en veille, on a le regard... Il y a quelque chose je veux dire, qui unifie. On en parlera, le mot yoga, on en parlera, voilà, parle de ça. Donc mais voilà. Tu dis quelque chose, c'est que là, ça paraît idyllique. Il y a des personnes qui n'arrivent pas à flotter, et quand elles entendent ça, oui. Ça peut être très frustrant. Mmh. Donc, je pense que si c'est troublant, pour la bonne raison que ça nous échappe. Parfois, on ne comprend pas pourquoi on n'arrive pas à flotter, et c'est tout un chemin qu'on doit faire à l'intérieur de soi-même. Pour pouvoir justement comprendre, pas par le mental, mais comprendre par les sensations, le pourquoi du comment. Et à mon avis, le yoga dans l'eau, ça nous met dans un rapport à la connaissance, on en a parlé tout à l'heure en arrivant, je trouve que ça nous rend disponible à la connaissance. C'est presque comme si c'était un préliminaire pour moi, le yoga dans l'eau à la connaissance, parce que l'idée, c'est quand même... On est confronté à devoir un peu, c'est pour ça que le lien à la cure, à se connaître un peu soi-même, malgré tout. Il y a quand même l'idée de retraverser quelque chose, en tout cas, pourquoi, comment, on ne sait pas, on s'en fout. Enfin, en l'occurrence, on s'en fout un peu, c'est l'histoire de chacun, etc. Mais il y a quand même l'idée d'une réconciliation. En travaillant sur des conditions donc, théoriques, je me suis aperçue, mais vraiment de façon flagrante, qu'il y avait les mêmes... Dans le yoga dans l'eau. Quelles sont-elles ? Il y en a cinq, c'est cinq un peu mélangés parce qu'on a rappelé les raccourcis, et surtout, c'est pas du tout exhaustif. Donc, c'est la première, donc c'est le mélange, l'alternance permanente de la théorie et de la pratique. Et on va creuser pour expliquer ce qu'on veut dire, parce qu'à la fois, on pourrait dire, le yoga dans l'eau, c'est la pratique. Hein. Et non, c'est pas que de la pratique, parce que de la pratique, ça voudrait dire qu'il n'y a que le corps qui est en œuvre, donc je reviendrai juste après, c'est pas que ça, parce que Frédéric, elle est tout le temps en train de nous dire, et là ça va, t'en es où, de nous demander, de penser ce qui s'est passé pour nous. Et ça, c'est un rapport théorie-pratique. Et ça, c'est vraiment important. C'est pas du tout la même chose que d'aller dans une salle de gym pour faire un je sais pas quoi, de prendre juste une activité, quoi. C'est de penser ce qui est en train de se passer pour nous. Et c'est tout le temps cet aller-retour-là. Et toi, je pense qu'il y a plein de choses qu'on va décrire qui sont très intuitives chez toi. Mais oui. Non, mais je pense. Mais là, l'idée, justement, c'est d'essayer de décrire. Donc, en gros, voilà, théorie pratique, réflexion, action, voilà. Il y a des clés là-dedans. Il y a des clés. Bien sûr. Théorie, il y a des clés à donner. Oui, oui. Et je me dois de vous donner des clés. Bien sûr. C'est sûr. Oui, en plus, voilà. Oui. C'est pas juste un... Donc l'idée, j'ai commencé à en parler, donc voilà, c'est l'idée d'une simultanéité, une forme de simultanéité entre la théorie et la pratique. C'est-à-dire que pour vivre une connaissance, un savoir, l'idée c'est de le vivre dans son corps et dans sa tête. Voilà, d'être à la fois dans la théorie et la pratique. Donc je donnais les exemples des retours, etc. Il y a aussi un autre niveau, notamment pour le groupe des personnes qui commencent à réfléchir à la transmission, bien qu'il y a l'idée, je dis ça parce que moi, j'ai suivi quelques cours l'an passé de théorie du yoga dans l'eau avec Frédéric,
Et je veux dire, ça nourrit, on voit bien comment ça nourrit notre propre pratique. Et ça, c'est quand même pas inintéressant. Et quelque part, quand tu fais les cours, tu donnes des petits bouts de théorie. Et c'est ça qui permet d'accéder. Et après, ça n'empêche pas d'expérimenter, de tâtonner, de... parce qu'on peut partir de la pratique. C'est action, réflexion, enfin, c'est la même chose, quoi. C'est d'être tout le temps dans cette alternance. Et c'est ça qui fait qu'on a... Ça donne des clés pour chercher, à ouvrir les portes. Par rapport à cette transposition qu'on peut faire assez facilement entre théorie et pratique, c'est la transposition de ce dépassement, je pense, qui se passe au moment dans la pratique du yoga dans l'eau, une espèce de dépassement de ce dualisme entre le corps et l'esprit. C'est pas facile à expliquer, parce que là, on raconte, mais il y a vraiment quelque chose, je veux dire, le dualisme entre le corps et l'esprit, il vient pas de... Il est situé par un certain nombre d'intellectuels dans le temps, à peu près il y a 2500 ans, et en Occident. C'est le début de la philosophie grecque, justement, et c'est le début du monde. C'est le moment où on a commencé à nommer les choses, les objets, à penser les objets, à penser les émotions, etc. C'est une distinction entre une séparation entre le mythos et le logos. Et donc, en fait, ça, c'est le reflet. On est les héritiers de ça. Et, et alors en plus, avec Descartes qui est passé par là-dessus, donc le dualisme, il s'est vraiment encore plus... On peut plus penser, on a du mal à penser que sans ces deux choses-là. Et donc là, l'expérience du yoga dans l'eau, moi vraiment, je trouve que c'est... et c'est rare parce que c'est pas souvent qu'on a affaire à ça dans la vie... permet vraiment d'être dans cette réunification, justement, du corps et de l'esprit. François Chenet, prof de philosophie comparée, philosophie indienne, qui est prof à la Sorbonne, et donc qui a écrit toute une histoire, vraiment un gros machin sur l'histoire de la philosophie indienne, et il a écrit notamment un truc qui est vraiment très intéressant sur le yoga, et il dit un certain nombre de choses, et notamment, je vais vous faire juste une petite citation, puisque sur le livre, la couverture du livre, il y a une tortue, et c'est pas par hasard. François Chenet parle de la tortue, donc je vous lis. J'aime pas trop lire, mais bon, je vais le faire quand même. Donc intervient, parce qu'il parle du souffle, il parle de chaque truc, mais là il dit intervient la rétraction. Des fonctions sensorielles à l'image de la tortue, qui rétracte ses membres sous sa carapace pour se retrancher dans son inviolable quant à soi. Mais il est intéressant de constater que la tortue doit d'abord rentrer la tête sous sa carapace avant de rétracter ses pattes, ce qui signifie que le psychisme doit lui-même se déconnecter, afin que la déconnexion des stimuli extérieurs puisse opérer. Donc, en fait, il faut que la tête lâche pour que le corps... et c'est ça qui est c'est la difficulté, parce qu'on a beau vouloir flotter. Le problème, c'est que la volonté peut être vraiment un frein. Je vais rebondir là-dessus, parce que c'est très intéressant ce que tu dis, parce que quand les membres dans le yoga dans l'eau sont souvent les empêcheurs de flotter. Et quand la tête va lâcher, les membres vont se relâcher, tu vois. Donc, physiquement, ça se voit. Physiquement, ouais. C'est vrai, ça. Donc, oui, je ne savais pas que la tortue emmenait la tête. Voilà, et en fait, je pensais aux sens qui sont tous mis en veille. Et je ne sais pas je veux dire, c'est une vraie différence pour moi avec le yoga au sol. Même si le yoga au sol, il devrait pouvoir faire ça. Les écoutilles sont... immergé, donc on est aussi dans cet état-là, le toucher est isolé, l'eau est un isolant, je veux dire, il y a quelque chose qui est... Tout est en veille, je veux dire, mais mécaniquement, donc ça facilite quand même, c'est ça qui est important, c'est un facilitateur. Et les sens, donc, deviennent tous flottants, et on mettait comme l'écoute flottante, parce qu'on ne sait pas si vous savez ce que c'est, l'écoute flottante, c'est la façon dont... comment on caractérise la façon d'écouter d'un psychanalyste avec son patient. C'est quand même drôle, quoi. Je veux dire, il a une écoute flottante, c'est-à-dire que
il n'écoute pas vraiment le contenu, le propos en lui-même, mais il entend autre chose de ce qui se dit dans les mots. Donc c'est quand même voilà. Donc je passe la parole à Sylvain qui va nous parler un petit peu plus précisément de cet espace, de cette Parce que la transcendance, c'est aussi peut-être un état pour ceux, et même quand on les bute, hein, je peux dire, parce que je ne flotte pas depuis très longtemps, mais dans certaines postures, on arrive à flotter parfois assez rapidement, et on trouve un état quand même qui est... Alors peut-être là on peut parler de transcendance. Voilà, quelque chose de cet ordre-là, qui a à voir, je pense, aussi à ce que tu disais tout à l'heure, à ce que c'est la définition du yoga, c'est-à-dire joindre. Il y a cette idée comme ça de rassemblement. Et cet état, donc, c'est quelque chose qui pour Winnicott, est un espace aussi. Il appelle ça l'espace transitionnel. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. L'espace transitionnel, on en parle souvent pour les doudous, l'objet transitionnel. Juste rapidement, comme ça, pour qu'on ait un peu en tête ce que c'est que, prenons l'exemple d'un doudou qui serait un objet transitionnel, parce que tous les doudous ne sont pas des objets transitionnels. C'est un objet qui est à la fois ce truc-là, c'est-à-dire un objet extérieur, mais qui est aussi une partie du bébé et une partie de la mère, on va dire. Tout ça réuni dans cet espace que crée le bébé. C'est-à-dire que c'est soi, non-soi, ce que tu disais un peu par rapport au regard, c'est-à-dire qu'on est dedans, on est dehors. Enfin, il y a quelque chose qui s'agrandit et en même temps qui rassemble des éléments épars. Il explique aussi que c'est dans cet espace-là que le bébé fait l'expérience de la, il lui appelle ça comme ça, la collision psychosomatique, c'est-à-dire que là, à cet endroit-là, on est totalement soi, c'est-à-dire soi corps-esprit. Et voilà, tout ça pour dire que quand on flotte, on se sent quelque chose d'un peu comme ça, tout soi, complètement à ce qu'on est, tout à ce qu'on est en train de faire, à la fois soi et... Il y a d'ailleurs un truc qui favorise, souvent au début des séances, quand on commence, il y a souvent des moments, je ne sais pas comment tu appelles ça, de portée, de portage. Portage. C'est exactement le même mot. C'est le mot qu'utilise Winnicott, donc il appelle ça le holding, puisqu'il est anglais, lui. C'est la façon dont le bébé est porté. Mais dans porter, ce n'est pas simplement porter avec les bras, mais c'est porter avec la tête aussi, c'est-à-dire tout. Comment le voilà, comment il est porté globalement dans son ensemble. Soutenu. Voilà. Et pour ceux qui ont connu des moments de voilà de portage yoga dans l'eau, on sent bien qu'il y a quelque chose quand on a des appuis externes et voilà quelque chose remonte. Parfois d'ailleurs très brutalement, parfois avec beaucoup de joie. On pourrait dire que ça dépend peut-être de ce qu'on a vécu, mais en tout cas très rapidement. On rencontre ça. Et alors, un autre élément qui est important là-dedans, quand on commence, ou même après, du coup, pour exécuter, pour être dans une posture, on la pense, en tout cas, on mentalise la posture qu'on est censé faire. Mais je ne sais pas si vous avez connu ça, moi ça m'est arrivé quelques fois, c'est assez drôle. En fait, on croit être comme ça, mais en fait, on n'est pas du tout comme ça. Ça n'a rien à voir. L'idée qu'on a de l'état dans lequel, corporel dans lequel on est, en fait, c'est pas du tout ça. C'est, pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a un écart entre là, ce qu'on croit penser, ce qu'on croit maîtriser par la pensée, et ce qu'on est en train d'être. Et ça, on pourrait dire, on a essayé de... Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça veut dire? Il doit y avoir autre chose, une mémoire. On pourrait appeler ça une mémoire du corps. Moi, j'aurais envie de dire, puisque ça me plaît bien, une image inconsciente du corps. C'est-à-dire quelque chose qui échappe et qui, pourtant, est très, très vrai, très présent. Et j'en reviens à ce que je disais juste avant, c'est que elle s'exprime parfois très brillamment.
on peut, bah, je connais des gens qui se mettaient à trembler, des gens qui se mettaient à rire, à pleurer, enfin, plein de choses comme ça qui sont très vives. Mais là où c'est intéressant dans le Yoga Dando, c'est que tout ça, même si c'est très fort, c'est très contenu. C'est très accompagné. Ouais, voilà, c'est ça. Je pense que c'est pour beaucoup là-dedans, c'est-à-dire que c'est quelque chose à accueillir parce que je pense que c'est dans le processus. On va dire, flotter un jour, peut-être. Et sinon, oui, je voulais reciter François Chevet qui dit que le yoga, lui, il parle du yoga en général, mais je trouve que ça repose encore de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est une discipline d'unification intérieure qui nous permet de cesser d'être disjoints avec nous-mêmes. Et là, par rapport à je faisais le lien aussi avec la phrase de Loredana, parce qu'on a parlé de la blessure, est-ce qu'il y a une blessure? Elle parle de page 4, de la blessure ancestrale comme un moyen quasiment radical d'éprouver un sentiment d'unité primordial et de justesse dans l'action, de guérir cette fracture ancestrale, cette blessure de la séparation propre à la condition humaine. Très, très présente, donc c'est des manifestations de ce genre, il faut être très présent, il faut accompagner jusqu'à ce que les émotions se calment. Si elles sont trop fortes, il faut quand même être prudent et remettre les personnes dans les mains d'un thérapeute, parce que voilà, j'accueille, mais je ne suis pas thérapeute. Ah, c'est la grande question. Voilà. Non, c'est vrai que c'est la grande question. Voilà. Donc, ça soigne peut-être. Oui, se passe. Mais je ne veux pas jouer aux apprentis sorcières. Et donc, je pense qu'il est nécessaire, si ça va trop loin, de rester à sa place, à sa juste place. Et puis, mais parfois, des émotions peuvent traverser une personne. Et puis c'est comme un orage, ça passe. Et puis il n'y a pas plus à en dire. Oui, c'est ça. Et puis des fois, quand même, voilà. Plus on pratique, moins on fait ça et on croit faire ça. Oui, il y a l'image qu'on a de soi, même... on approche de l'image que l'on donne. C'est dans ça que je crois qu'il y a un soin. C'est dans ça que je passe. Moi, c'est sûr que. Il y a plus d'écalage entre ce qu'on croit. On se rapproche de soi. Je veux dire, il y a quelque chose qui se passe quand même. Le but d'ailleurs, le yoga au sol aussi, normalement, devrait nous amener à ça. Mais je pense que, personnellement, le fait d'avoir découvert le yoga dans l'eau et ma pratique maintenant, mon enseignement au sol, a changé complètement parce que ça m'a enrichi cette transmission du yoga dans l'eau. Et puis ce travail que j'ai fait de réflexion m'a enrichi pour pratiquer et faire pratiquer autrement. Avec encore plus de créativité, avec encore plus d'écoute, du ressenti et de la perception que j'avais de l'autre. Les personnes, ça commence, les personnes sont lourdes, et puis plus ça va, plus elles sont légères, et plus ça va, plus on peut enlever nos mains, parce qu'en fait, il n'y a plus d'appui. Je pense à ça par rapport au yoga au sol, c'est qu'en fait, il n'y a plus d'appui extérieur, ou d'appui qui pourrait être les bras, mais en fait, parce que l'appui, on trouve son propre appui à l'intérieur de soi. Le yoga dans l'eau, voilà. Trouver ses appuis internes, et normalement, le yoga au sol devrait, grâce aux appuis externes, nous permettre de trouver nos appuis internes. Et avec l'eau, c'est direct, parce que de toute manière, l'eau, elle nous renvoie à nos appuis internes. Sinon... La deuxième chose, c'est la présence. Et c'est marrant, parce que ça fait pas si longtemps maintenant que c'est arrivé dans le yoga dans l'eau. La présence du jeu. J-E-U. Mais le jeu n'est pas très loin, J-E, c'est le fameux jeu de mots, justement. Le jeu, la joie, le rire, ça fait partie des conditions de possibilité. Ça fait partie, c'est ce que je disais, du rapport à... Parce que quand on dit « il faut lâcher », quand on coule et qu'on dit « mais détends-toi, lâche-toi », c'est pas trop... quand on commence aussi à être beaucoup plus... Là, on commence les séances à faire des jeux, en faisant des jeux, on voit bien qu'il y a quelque chose qui se lâche, qui est beaucoup plus spontané. Le jeu, malheureusement... est souvent relié à l'enfance, alors qu'en fait, je veux dire, jusqu'à la preuve du contraire, on est tous des enfants, et on le restera jusqu'à la fin de nos jours. Donc, donc voilà, la présence du jeu, de la joie, et la présence du jeu et de la joie, on l'a associée à la présence de la créativité. On a aussi vraiment, il y a cet espace-là
qui est important, où plus on maîtrise, voilà, plus, mais même quand on sent qu'on peut, voilà, qu'on peut créer sa propre suite, qu'il y a quelque chose qui devient, on accède de plus en plus à un état aussi, une sensation de liberté, quoi. C'est quand même, moi je... Pour rebondir sur ce que dit Karine, moi je m'amuse énormément quand je donne des cours de yoga zendo, parce que j'improvise, j'ai un fil conducteur, j'observe les personnes, je sais où elles en sont, je le sens, je le vois. L'improvisation, voilà. Et au ressenti, au feeling, je sens ce qu'il est bon de proposer ou pas bon de proposer. Et mon fil conducteur, bon, le fait d'avoir écrit l'ouvrage pédagogique, je connais, j'ai passé 3 ans dessus, donc ça va. Et maintenant, je peux justement jouer comme quelqu'un qui joue au piano parce qu'il a dépassé la technique et puis qu'enfin, il peut se lâcher. Et moi, je m'amuse autant... dans chaque cours, tu parles du jeu. Moi, je m'amuse aussi, je joue. Ouais, on voilà. Le sent. Voilà. Alors, c'est important. Le jeu, en fait, c'est le jeu, mais c'est parfois pas le jeu. Parce qu'en anglais, il y a 2 mots pour jeu. Il y a playing et game. Et c'est pas pareil. Lui, quand il parle du jeu, il parle du playing. C'est-à-dire ce jeu qu'on... quand on voit quelqu'un qui invente une histoire, un petit enfant qui a une petite voiture, il invente tout seul. C'est ce jeu-là créatif, pas le jeu qui est une contrainte, on pourrait dire, sociale, une sorte de sujet ici, on va dire, pas le social. C'est-à-dire le jeu avec des règles. Oui, avec des règles immuables. Quoi, donc, ouais. Voilà, c'est ça. J'ai trouvé, par exemple, à la dernière séance, on a fait des sortes de mini-bombes. Et chacun faisait sa bombe, aller chercher des trucs dans son piscine. Enfin, tout ça, c'est très sympa, mais ce que ça provoque, c'est qu'à un moment donné, sans s'en apercevoir, on est pour tout à ce qu'on fait, complètement. Et on n'est plus en train de penser à faire l'embarcation, le pédalier, je ne sais pas trop quoi. C'est-à-dire que le jeu en lui-même nous met. Nous invite vers cet état qu'on vous décrivait juste avant. On se déshabille de ses masques, de ses costumes d'adulte. Oui, c'est ça. Et du coup, voilà, c'est, on pourrait dire, on avait noté ça, ça met en jeu le corps pas pensé. Ouais, 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 c'est ça. On lâche, quoi. Et ça, c'est vraiment un point commun très fort avec le savoir, c'est-à-dire que c'est ce que tu disais tout à l'heure, c'est-à-dire que jouer, c'est une condition d'accéder en général, on pourrait dire, à la connaissance, au savoir. Et on oublie ça, Alors nous, quand on fait, par exemple, ça fait penser à par exemple, la musique, l'improvisation, tu parlais d'improvisation tout à l'heure, tu vois, toute forme d'improvisation, c'est du jeu. La pratique artistique, quand on y est, c'est du jeu. On est dans le même état. C'est un état, justement. C'est un état d'être. C'est ça. Et donc, alors la troisième chose, ça s'appelle l'idiorythmie. C'est pas très compliqué en même temps. C'est idiot, ça veut dire. Parce que vous voyez, ça vient de idios, et idios ça veut dire propre, particulier. En fait, la transformation d'idiot dans la contemporaine est devenue l'idiot, l'imbécile, mais l'idiot est avant tout celui qui se définit par lui-même. Si vous avez lu l'idiot de Dostoïevski, et ben vous verrez que justement l'idiot c'est juste, prend cette dimension-là. Voilà, il y a d'autres références, et donc ça veut dire singulier, soi, propre à soi. Et rythmie, c'est pas très difficile, ça vient de rythme. Mais justement, rythme vient de quoi? Et là, j'ai fait une découverte de rythmos, justement. Et rythmos vient de réo, qui veut dire couler. Incroyable, mais vrai. Non, mais je dis ça parce que c'est. Et ça veut. Non, mais je dis ça parce que l'origine de rythme, c'est le mouvement des flots. Je ne sais plus, on ne va pas rechercher, mais j'avais juste là. Mais c'est, ça a à voir avec l'ondulation. C'est le ressac, quoi. Et donc, l'idiorythmie, c'est un concept qui a été nommé par un autre intellectuel, écrivain, critique littéraire, qui s'appelle Roland Barthes. Et donc,
Roland Barthes, qui est vraiment quelqu'un que j'affectionne beaucoup, qui a écrit donc qui a dit des cours qui sont là au Collège de France, qui s'appelle sur un séminaire qui s'appelle Comment vivre ensemble. Et ça parle exactement du yoga savoir. Ça parle de ce vécu-là du yoga dans l'eau, parce que ça en parle de comment qu'est-ce que c'est que ce rapport au monde. Comment on fait pour... Parce que pour moi, maintenant, le yoga dans l'eau, carrément, je pense que c'est un préliminaire à bien vivre ensemble. Quoi. Je veux dire, je pense que ça dit quelque chose de très fort. Et l'idiorythmie, vous allez voir, c'est très simple, c'est que dans ses cours, Frédérique, elle permet, et je dis ça parce qu'elle le fait intuitivement, j'en suis sûre, mais c'est fondamental, et on voit bien la différence avec plein d'autres activités qu'on peut avoir, c'est qu'elle permet qu'on puisse aller à son rythme chacun, même si, évidemment, on est tous ensemble dans un groupe. Mais le rythme, c'est pas grave d'aller aux toilettes. C'est pas grave. Alors, évidemment, l'idée, c'est d'être à l'heure, machin, etc. Mais on n'en fait pas un... Bien sûr qu'il y a un moment où il faut être ensemble. Mais je veux dire, on peut, et on le sent dans le yoga dans l'eau, parce que comme on ne se voit pas, des fois, il y en a un qui a la série suivante. Nous, on est toujours dans la première posture. Enfin, je veux dire, il y a l'espèce de décalage temporel qui se crée et qui est accueilli. Mais c'est quand même... je veux dire, on en a parlé, tout le monde dit, mais c'est vrai, c'est hyper important, parce qu'en fait, cette préservation du rythme de chacun, elle est, pour Barthes, mais pour lui aussi, dans l'idée de permettre de garder ce qu'il appelle la bonne distance. Et la bonne distance, c'est aussi la distance entre soi et soi, et soi et les autres. Il y a quelque chose qui est vraiment intéressant, mais je te repasserai des trucs là-dessus, parce que c'est vraiment ni être trop près, ni être trop loin, que ça soit avec les autres, que ça soit avec la personne qui nous accompagne. Il y a quand même une idée il y a quelque chose qui se passe à ce moment-là. Et l'eau, comme nous disait... nous le disait vaillamment notre chère Patrice la dernière fois, c'est à la fois un isolant et un conducteur. C'est quand même assez incroyable, quoi. Ça a ces deux propriétés-là, et donc forcément ça crée une espèce d'altérité qui est assez complexe, et donc on joue avec ces distances. Et on remarquait que dans les séances de yoga, quand ça, au début, enfin je ne sais pas si vous en conviendrez, vous me direz, quand on débute, on se touche, on se cogne beaucoup. On se tape dedans quand on flotte, on se tape. Justement, on n'a pas encore appris la bonne distance. Et on réagit. On se touche, mais surtout on réagit en plus. On réagit. Et en plus on se touche. Parce que moi, en plus, je crois bien qu'on se touche encore. On se touche, plus tu pratiques, plus il y a quelque chose, on ne sait pas trop comment. C'est encore un truc de magie. mais c'est vrai que c'est assez drôle. Et ça, finalement, ça devient beaucoup plus fluide. Et surtout, on n'est plus du tout gêné par l'autre qui nous touche. Et ça, c'est assez flagrant. C'est aussi apprendre à ne pas être gêné par l'autre, ne pas se dire, là, je vais te déranger, donc j'arrête ce que je suis en train de faire. Mais il y a comme une intelligence des corps, c'est les énergies, et c'est électromagnétique, je ne sais pas comment ça se passe, mais qui fait que on se rapproche de l'un. Si on ne se sent pas gêné nous-mêmes de la proximité de l'autre, eh bien, on laisse, on accepte la proximité de l'autre. Et puis, il faut que la personne aussi elle ne soit pas gênée de vous toucher. Donc il y a quelque chose de simultané entre deux personnes qui fait que on accepte la présence de l'autre, tout simplement parce qu'on est en soi. Le fait de permettre le rythme à chacun, je veux dire, c'est l'inverse de la tyrannie, justement. C'est vraiment parce que, je veux dire, la prise de pouvoir, où que ce soit, n'importe quoi, n'importe quelle façon, commence, mais on est tous confrontés à ça tous les jours, par l'imposition d'un certain rythme de vie à tout. Enfin voilà, on est, et on voit bien comment on vit aujourd'hui dans nos vies, où le rythme de vie, il est et là, je veux dire, c'est une petite fenêtre où tout d'un coup, on peut y aller à son rythme, et c'est accueilli, c'est permis, quoi. Donc voilà. Et j'irai même au-delà, dans mon expérience personnelle, et là je te remercie publiquement, c'est que voilà, j'ai traversé des trucs, je suis pas venue pendant pratiquement 6 mois, et je suis revenue, je veux dire, je suis accueillie. C'est alors évidemment qu'il y a un moment, faut pas que ça soit tout le monde fasse ça, parce qu'on se dit bien qu'il y a l'espace et du temps. Bah, c'est des raisons. Bah oui, mais je veux dire, c'est quand même quelque chose qui est possible. La quatrième chose, c'est l'idée de, même si ça paraît une évidence en soi, c'est pas si simple, l'unité espace-temps. C'est l'idée de, il y a bien un moment pour que ça marche,
où il faut se retrouver, ça paraît une évidence. Mais c'est pas rien. Je veux dire, la constitution du groupe, elle n'est pas si simple, elle n'est pas aléatoire, et c'est pas si facile que ça de savoir qu'est-ce qui fonctionne, il y a des groupes qui fonctionnent plus, moins, etc. Et donc l'idée de se retrouver, la question d'un rapport à l'espace-temps, la question du lieu, l'endroit où ça va se passer, on a bien vu, je sais pas s'il y a des gens qui ont été à l'ancienne piscine, et qui sont allés à la nouvelle, on a bien vu ce que ça... Et pareil, je veux dire que les cours sont ici maintenant, enfin, en tout cas, on sent que l'environnement, il y a une interaction avec le milieu, et que ça va avoir son importance. Oui, mais il y a aussi quand même le nombre de personnes. Oui, bien sûr. On est tous dans le même lieu, etc. On disait, pour ceux qui ont connu les deux lieux différents, ça change plein de choses. Mais il y a quelque chose qui est important, c'est on pense que le nombre de personnes, à un moment donné, il est limité, mais pas limité par la taille de la piscine. Hein. Je pense que si on a une piscine grande comme ça, on ne pourrait pas tous... Même si là, forcément, on se dit que ça joue parce que c'est la taille de la piscine. Mais si la piscine, on trouvait une piscine où on a pied grande comme la pièce, je veux dire, tu ne ferais pas des cours à 25 dans une piscine, parce qu'on voit bien qu'il y a quelque chose qui ne fonctionnerait pas. Mmh. Et ça, c'est... J'ai testé déjà, j'ai eu l'occasion de faire avec 15 personnes, et en Carnot au départ, et c'était pas gérable. C'était pas gérable parce que je ne peux pas être à plein de personnes à la fois. Parce qu'il faut que je sois à la fois avec chacun et à la fois avec le groupe. Donc c'est pas possible. Et je pense que ce qui est important, c'est que chacun puisse trouver son espace intérieur. Et il faut quand même un certain espace extérieur pour trouver son espace intérieur également. Oui, tout à fait. Ben, c'est exactement cette histoire de la bonne distance. L'idiorythmie, elle est conditionnée. Marc, qui théorise la question de combien on est pour être un groupe qui fonctionne bien. Bon, deux, je vous le dis, ça marche pas. Mais pour être un groupe qui... C'est intéressant. Je suis très frappée par le fait que les gens ne se connaissent pas. Ils se connaissent un peu, mais y a pas, on ne discute pas. Chacun est dans sa bulle. Et dans les vestiaires... C'est étonnant, ça papote et ça rigole, et ça... comme si les gens se connaissaient autrement. Mais c'est vrai. Ça me frappe énormément, ça, et je trouve ça assez merveilleux, parce que c'est une connaissance intuitive de l'autre, c'est vraiment très très belle. J'ai pas la possibilité de connaître ça. Non, mais pas. Mais bientôt, Patrice va te rejoindre. Donc, en tout cas, voilà. Et donc, je pensais à Deleuze et à Marc, on travaillait notamment sur combien on doit être pour être un groupe qui fonctionne bien dans un rapport au savoir. Et en fait, souvent, le nombre qui revient, c'est 7, sachant que selon ce qu'il y a à faire, ça peut aller... Mais c'est vrai que le 7 est un nombre qui revient très, très régulièrement, quoi. Et qui peut être gonflé, si c'est selon ce que c'est, un groupe de travail jusqu'à une douzaine, quinzaine, mais au-delà de 15... Enfin, Marc dit au-delà de 15, l'idiorythmie ne peut plus être respectée. Parce qu'on est obligé d'arrêter le groupe si quelqu'un s'en va, parce que c'est, tout de suite, ça devient beaucoup plus compliqué. Il y a une inertie qui se crée. Voilà, c'était juste pour dire que tout ça n'est pas par hasard. Quoi. C'est important. Je ne le savais pas et je l'ai ressenti. J'ai expérimenté plus et je suis revenue à 7 maximum. Donc voilà, et puis l'autre petite partie, c'est par rapport à l'espace, l'unité, l'espace-temps. C'était juste par rapport à ce rapport au temps que vous avez peut-être expérimenté, qui est quand même assez différent. Et on est dans un espèce de rapport au temps qui est assez... C'est un instant, on a l'impression... Moi, je ne sais pas si vous regardez l'heure, je ne sais jamais si ça fait 2 heures qu'on y est ou deux minutes. Il y a une espèce de hors-temps qui est au-delà du temps. Et c'est assez fort comme expérimentation, et tout ça, c'est pas sans écho à tout ce qu'on vient de dire, parce qu'il y a je veux dire, c'est vraiment l'idée de ce que disait Winnie, d'y être là, quoi. Oui. Et du coup, y être là, je fais le lien, c'est aussi, et ça c'est quelque chose d'important, même si ça paraît évident dans le yoga, c'est qu'on ne prépare pas, on n'a pas de devoir à faire à la maison. Alors, par rapport au groupe qui fait l'initiation, c'est différent. Mais je veux dire, dans l'idée, et puis surtout, il n'y a pratiquement rien, ce qu'on disait, oui. Mais je veux dire, il y a quelque chose qui est permis d'être vécu à ce moment-là. On n'a pas à se préparer, on se prépare mentalement, mais je ne sais pas comment dire, mais je veux dire,
C'est pour ça. Enfin, il n'y a pas d'exercice à faire. Il n'y a pas d'exercice à faire. On n'est pas. Quand on finit, on n'a pas. Enfin, je veux dire, c'est pris pour soi et ça se suffit à soi-même. Et ça, c'est vachement important. Ça se suffit à soi-même et ça demande à être emporté en soi, chez soi, dans son quotidien. Voilà. Oui, exactement. Voilà. Parce que ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de traces dans le corps, dans ce que ça, de ce que ça produit dans nos rapports aux autres, dans les actes. Voilà. Mais par contre, justement, on n'est pas contraint par ce truc de l'écrit, de je ne sais pas quoi. Il y a plein d'endroits maintenant où on a des choses à faire. Il faut faire un projet. Voilà, c'est ça. Et la dernière chose, c'est de hiérarchisation. L'idée, c'est que pour que ça fonctionne bien, l'idée une des caractéristiques aussi de ces groupes, c'est qu'il n'y a pas de hiérarchisation ni des personnes. J'irais presque des personnes et des éléments et des amis. Enfin, je veux dire, on est tous dans le même bain, sur le même bateau. Je pense qu'il y a, moi, je serais intéressée, par exemple, par faire, mais je sais parce qu'il y a des choses qui sont encore à faire, un groupe, un essai avec mélanger adultes et enfants. Je pense que ça doit être un super. Non, mais après, mais je veux dire, il faut toujours le faire, machin, etc. Mais je veux dire, on voit bien que ça, en tout cas, on peut être mélangé homme-femme, vieux, jeune. Enfant, adulte, je trouve ça c'est. Il y a une personne qui est venue avec sa petite fille un jour, parce qu'elle était regardée. Oui, je crois qu'elle était regardée par sa personne. Et donc, ça a été un moment magnifique pour moi, parce que j'ai pris la petite fille dans le bras, je l'ai portée, et puis je lui ai fait expérimenter quelque chose. Elle était toute contente, toute abandonnée, et puis je l'ai mis dans les bras de sa grand-mère, et je pense que ça a été une expérience forte pour la grand-mère et pour la petite fille. On finissait juste sur la pas hiérarchisation des objets, c'était juste pour faire le lien avec le livre aussi, où au départ, il y avait un peu des séries, il y a toujours des séries, mais avec un peu des niveaux au début. Et on voit bien, ouais, mais au début, je pense que c'était enfin au tout début. Et en fait, tout ça, j'ai l'impression, a été... C'est des étapes. Ouais. Ce n'est pas des niveaux, c'est des étapes. Ouais. Oui. Et les étapes, elles sont interchangeables. Ouais. On peut passer de l'une à l'autre. C'est surtout ça. Voilà. Il y a des passerelles. Ouais. C'est ça. Pour moi, c'est ce qui me dit. Il fallait bien les mettre en place. Il fallait bien mettre série 1, série 2, série 3. Mais c'est pas, il ne faut pas avoir fini la série 1 pour pouvoir passer à la série 2. C'est beaucoup plus souple. Oui, mais justement. Puis ensuite, Shiva, girouette après, puis Shiva. Là, elle est en girouette de guillante, c'est la girouette de guillante.